Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la mini-ouverture qu'on va faire du coup pour le mois d'octobre, j'allais dire le mois de mars, je sais pas pourquoi, et on va ouvrir la chaîne box d'octobre. Pas de facecam, vous saurez bientôt pourquoi, puisqu'il y a un déménagement, enfin je viens de déménager du coup, et la salle pour les vidéos et pour le stream n'est pas encore terminée. Donc voilà, on s'ouvre ça en mode tranquille, pépère, et on découvre ensemble les produits du mois d'octobre de la chaîne box. Qui est rempli de toiles d'araignée qui s'y sont logées, puisque ben qui dit octobre dit Halloween. Comme toujours, le petit aluminium, parce que comme vous connaissez la musique, on vous a à l'œil. Alors on sort ça et on regarde. Ah, il y a même des petites araignées, je sais pas si vous voyez les petites araignées, c'est super ça. On veut pas faire peur aux chats. Enfin, je pense pas qu'ils auront peur de ça, mais bon. Et là, c'est génial l'ambiance en tout cas en mode horreur. Alors ça veut dire, y aura-t-il des trucs qui font peur? Ah, mais. Ok, une enveloppe sous scellée. Mon invitation pour OMD du liste. Oh, oh, Jacob. Alors, un petit Jacob Bolan, super classe. Alors, je sais plus comment ça s'appelle quand la carte elle est totalement l'artwork refait comme ça. Mais c'est bien rigolo, zombie effet. D'accord, c'est cool. Avec la sorcière Fantoruse, code promo Fantoruse 10. Donc voilà, c'est bien ça, le petit code promo, c'est vachement bien foutu, c'est cool, ça fait de l'horreur. Oh, Yusei en porte-clés. Alors, sachant que c'est un de mes personnages préférés de la série Yu-Gi-Oh, donc c'est grave cool. Une deck box, bah c'est parfait, parce qu'il m'en fallait une. Alors, qu'est-ce donc? Oh, le petit chaudron avec les petits bonbons. Oh, mon dieu, des petits dés, ça c'est cool. Alors ça c'est bien, parce que je n'avais qu'un seul dé, et voilà, je vais déjà en perdre un. Non, non, c'est bon. J'ai pu le récupérer. Il est là. À nouveau, un petit Movipack qu'on va pouvoir donc s'ouvrir tous ensemble. Et donc, les bonbons que je vais m'empresser de manger après ça parce que j'ai la dalle. Alors, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez commander vos chaînes box et vous abonner sur le site chainbox.fr. Et du coup, nous avons à l'intérieur une feuille blanche. Non, je plaisante. Et de l'autre côté, nous avons Happy Halloween avec la magicienne ténèbres. Ça va aller dans le décor. Hein, on va se mettre dans le décor parce que j'adore la magicienne ténèbres. Et je cours et je bois avec les ailes. Alors, est-ce qu'on sait que c'est qui a fait ça? Oui, c'est signé. C'est signé par Nurglish. J'espère que je n'écorche pas avec un pseudo. Et dedans, il y a... Mais oui, il y a un billet de 500 euros. Trop bien. Pourtant, c'est pas Noël. Ah, je suis pressé du coup de voir ce que ça va donner pour Noël. Je pense que Sharon va nous régaler. Alors. Bon, on va les squinter, hein, parce que de toute façon, j'en ai ouvert je sais plus combien. Alors, oui, le mois de septembre, c'était... Je sais plus ce que c'était qu'on avait eu. C'était Code de l'Éternité. Non, c'était le Fureur. Le truc de Fureur. Et... Alors, oh, putain, Dragon Cristal. En promo. Ça fait plaisir. Avec quoi d'autre? Avec quoi d'autre? Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir vous ouvrir. Merci. Alors, il faut leur demander gentiment, sinon ils ne s'ouvrent pas. Alors, un dragon cristal. Un dragon blanc aux yeux bleus. Et Slifer, le dragon céleste. Eh ben, c'est parfait. Comme je disais que c'était Noël avant l'heure. Du coup, alors, ces petits boosters. Nous avons la Renaissance cubique. Dragnil, roi clic vulcain, un magicien sombre qui pète la classe, et la magicienne des kiwis. Ah, mais c'est pas tout. Derrière, nous avons. Oh, Garodia, la bête qui pique de l'épée. Alors, j'avais pas beaucoup de cartes cubiques, donc c'est cool, ça va pouvoir agrandir la collection. Et surtout les magiciennes des qui pètent la classe, hein, faut le dire. Ensuite, sortilège final. Gundil, le behemoth cubique destructeur. Kuribo limpide, ça c'est rigolo. Magicienne des ténèbres, oh, elle est trop belle comme ça. Et le portail du contre. Franchement, le portail du contre, je crois que c'est une carte assez sympa. Donc, de toute façon, je suis en train de faire plein de nouveaux decks. Vous allez voir les Yuki samedi, des lives qu'on fait le samedi. Il va y avoir plein de nouvelles choses. Et pour le dernier booster, nous avons la Renaissance cubique. Garnex de la bête cubique des ténèbres. Un dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Ce qui est parfait pour moi. Et nouveau un Gardonia la bête cubique. De l'épée. Et pour finir, la dernière carte qui sera la portail du contrat magique. Et donc voilà, on a ouvert tous les produits chaîne box du mois d'octobre. Alors ça fait bien plaisir. Moi je suis super content d'avoir une carte comme ça parce que je n'avais pas encore eu.
c'est rigolo, Jaco. Voilà. Ça fait penser à Jaco Lanterne et je pense que c'est fait exprès. Édition limitée, mais ouais, c'est un truc créé de toute façon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux Halloween pour ceux qui regardent uniquement les chaînes Box, hein, et n'oubliez pas, chainebox.fr pour commander, et donc on se retrouve très 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 bientôt, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Allez, bisous à tous et à bientôt.